Eh bien bonjour à tous et à toute la famille YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va très très bien les amis. Et aujourd'hui pour l'épisode 56, on va faire des petits systèmes là pour le moment jusqu'à l'épisode 60 je pense. Et aujourd'hui on se retrouve donc devant la... pas la nouvelle usine à mobs, mais le nouveau fonctionnement de l'usine à mobs si on peut dire ça comme ça. Alors tout simplement c'est que vu que j'avais pas trop de loot en fait, à vrai dire, avec le tube qu'il y avait au milieu, tout simplement qui descendait tout en bas dans le, comment ça s'appelle déjà, la salle des mobs, voilà, j'avais perdu le mot. Et donc j'ai voulu avoir pas mal, il me faut pas mal de loot, donc j'ai créé ce petit, alors attendez, juste je baisse le son de la télé, hop, voilà. Il me fallait donc pas mal de loot, donc j'ai fait un trou et donc, alors par contre Skype, non merci, voilà. Voilà, merci. Donc j'ai créé ce petit trou et qui marche vraiment plutôt pas mal. C'est juste l'usine à mob qui bug un petit peu. Tout simplement, il y a des sources d'eau avec les dispensers qui se créent automatiquement et ça, c'est super chiant. Voilà, ça tombe un peu. Par contre, là, il va falloir que j'agrandisse le trou. Il y en a à chaque fois qui bug un peu. Mais bon, c'est pas trop grave dans l'ensemble. Ah ouais, une witch, ok. Ouais, il va falloir vraiment que je l'agrandisse. Hein. Donc voilà, pour parler un petit peu des loots, c'est plutôt pas mal. Hein, ça marche plutôt pas mal et je suis assez content. Voilà. Donc, sur le dernier épisode, j'ai tout simplement pas eu vos retours parce que je tourne alors que l'épisode n'est pas encore sorti. Voilà. Normalement, il est sorti pile au moment où je fais la vidéo. Et aujourd'hui, on va s'attaquer tout simplement à un petit truc. Est-ce que je vous le montrerai ou plutôt on attendra. Je pense qu'on attendra. Ouais, on attendra le prochain épisode, je pense. Voilà, j'ai fait un truc dans le Nether. Vous verrez par la suite. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à vraiment un très simple système de redstone qui est une usine à canne à sucre complètement automatique. Voilà, donc j'avais envie de faire ça. Je crois que je vais prendre toute la redstone, ce sera beaucoup plus simple. J'avais envie de faire ce système-là. Et donc, on va le faire, hein, tout simplement, les amis. Voilà, j'ai envie que les cannes à sucre, ça soit automatique. Je pense qu'au prochain épisode, ça sera les pastèques, Nether War, tout ça. Des petits systèmes, voilà, jusqu'à l'épisode 60. Et à l'épisode 60, on entamera un nouveau gros projet. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et puis voilà, donc... il me faut ça, il me faut des hoppers. Donc des hoppers, il me faut du fer, il me faut juste un hopper. Je pense que ça suffira, un hopper. Tac. Hop. Voilà, nickel. Une source d'eau. Une source d'eau, je crois que j'en ai ici. Ouais, nickel. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai des feuilles là. Ok, c'est sympa. Voilà. Donc, je pense aussi faire donc pas mal d'épisodes concernant donc un petit peu la décoration. J'aimerais m'intéresser un petit peu à la décoration parce que j'aimerais finir. Alors attendez, j'aime bien regarder à chaque fois. Ouais, ça va. J'aimerais m'intéresser un petit peu à la décoration. Donc déjà de la salle des fours. Voilà, j'aimerais faire quelque chose. Je sais pas trop quoi encore. Peut-être ici faire un pixel art au cas où. Modifier un petit peu. Et donc c'est ici qu'on va s'intéresser. Et la prochaine fois, comme je vous ai dit, hein, ça sera les pastèques. Je sais pas si je vous ai montré ou pas. J'ai pas fait le design. Hein, j'ai pas fait le design. J'ai attendu un petit peu. Voilà, j'ai mis un petit beacon ici, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai mis juste un vitesse. Hein. J'aimerais mettre vitesse un petit peu dans toute ma base. Donc voilà. À chaque fois que j'aurai un beacon, je mettrai. En plus, ça n'utilise pas beaucoup. Vous voyez, il faut juste 9 blocs de fer. Donc ça peut aller encore, ça peut aller. Donc voilà. Donc alors on va s'intéresser donc à cette fois-ci à la canne à sucre. Et ce système, donc déjà c'est un système que j'ai créé moi-même. Hein, vraiment un système très simple. Y a pas plus simple quoi. Franchement, il n'y a vraiment pas plus simple. Ce système marche tout simplement avec un bud switch. Oula, là c'est un peu plus. Ok, merci. Ah. Ok, c'est bon. J'ai cru que j'avais activé un système ou quoi. Cette eau, d'où ce qu'elle vient, cette eau? Je crois que c'est derrière là. Attendez. J'ai peur de dire une bêtise.
Ouais, donc c'est l'eau de derrière. Sachant qu'on n'en a pas besoin, donc je préfère l'enlever quand même. Je vais juste garder les sources d'eau de derrière. Tac. Voilà. Nickel. Alors, ce système-là, donc comme je vous ai dit, je l'ai créé, j'ai tout simplement mis un bud switch, et ensuite, quand la canne à sucre pousse, eh ben, elle se fait désintégrer, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Par contre, est-ce que je garde les blocs, les pistons comme ça? Donc, il faut que je voie si j'ai... Non, j'ai pas beaucoup de place, hein. C'est assez serré, donc je vais pas pouvoir faire deux lignes, mais en tout cas, je vais le faire de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, les amis... C'est que tac tac tac, un piston débloqué. En fait, parce que le souci. Oh, ben non, vous savez quoi, c'est pas trop grave. Bon, ça fera pas trop joli, mais bon, j'ai pas envie de créer des pistons rien que pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on n'en a pas besoin. On a fini. On va juste le faire d'un côté, comme je vous ai dit, parce que c'est assez serré. Et ce système, on peut le reproduire sur en hauteur, quoi. En fait, c'est comme ça, de haut en bas. Voilà. Et donc, pour le moment, j'en ai pas trop besoin de la canne à sucre. La canne à sucre, j'en ai vraiment besoin juste pour faire du trading avec les villageois. Et sinon, bah, ça me sert complètement à rien, quoi. Donc voilà, je n'en vois pas l'intérêt. Donc ça, quand c'est fait, on l'a détruit. Hop, on va juste décaler tout ça, alors. Voilà. Hop, le seul petit inconvénient, je pense, de l'usine, là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va voir donc les pistons, hein. Ça va être des pistons collants et on va voir le petit verre, mais bon, c'est pas trop grave. J'espère que... Non, ça ne pousse pas, ouais, je suis bête. Hop, ok, nickel. Voilà. On prend donc nos pistons. Ok, j'avais que ça comme piston. Ok, oh, ça lag, hein. Je sais pas pourquoi ça lag là, mais... Ok, là c'est sympa. Ok, donc vous positionnez, donc ce système marche sur 12 parce que les pistons ils peuvent pousser que jusqu'à 12, je crois que c'est ça. Hein. Attendez, je confonds avec les redstone. Ouais, c'est ça, 12 normalement. Donc nous on va le faire jusqu'au bout. Hop, tac. Voilà, et donc on va avoir un bed switch qui va être situé ici. Et tout simplement, quand la canne à sucre va pousser au niveau de deux blocs. Poum, ça va étirer les pistons et ça va les faire tomber ici dans... Hop. Tac. Ah ben ça veut dire qu'on n'a pas besoin aussi. Ah ben on va récupérer un petit peu de redstone, même si on en a pas mal déjà. Ok, bon, on la récupérera. Hop, on va la récupérer maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Ok, nickel. Voilà, donc tout simplement, on va faire une petite station de récupération avec le petit hopper, un petit coffre tranquillou. Ça, c'était vraiment au tout début de que j'avais fait donc oh putain, de mon let's play. Il me fallait un petit peu de canne à sucre. J'ai fait ce système-là et maintenant, c'est vrai qu'avec les hoppers, hein, c'est vraiment beaucoup plus simple. Je n'ai pas fait de tuto là-dessus. Hop, voilà, un peu d'espace, ça fait du bien. Ça, on va les enlever. Là, je casse tout avec cette pioche-là. Hop, tac. Je sais pas pourquoi, il y a pas mal de petits lags là. Voilà, nickel. Alors, on va dégager l'espace derrière pour faire le bud switch. Ce bud switch-là, c'est l'un des plus compacts et des plus simples, je pense, que j'ai jamais vu. Voilà, donc oui, le lien de la chaîne donc du créateur. Donc, je l'ai vu sur la chaîne de Seth Bling. Donc, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. C'est un youtubeur américain, Redstone, hein, vraiment, voilà, sur Minecraft. Donc ça, quand c'est fait, on va faire donc le petit système. Il faut, alors attendez, est-ce que je le mettais devant ou derrière? Donc je crois que c'était, oui, c'était devant. Donc là, on casse. Vous allez mettre là au-dessus. Il faut casser aussi. Je rêve où il y a de l'eau. Pourquoi il y a de l'eau au-dessus? Ok, bon, c'est pas trop grave. Vous mettez des blocs au-dessus, donc des pistons qui sont ici, voilà, en face, quoi. Voilà, à ce niveau-là, quoi. Oui, ça va pas monter à 3 blocs, mais bon, comme je vous ai dit, le système peut se répéter jusqu'en bas.
Et si vous voulez vraiment beaucoup de canne à sucre, par exemple sur un serveur multijoueur ou quoi, vous pouvez répéter ce système-là en canne à sucre, sachant que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein. Vous faites par exemple 4 et vous descendez jusqu'en bas, vous voilà quoi. C'est très très simple. Ok, donc ça c'est bueno les amis. Là, on va pouvoir casser. Ok. La canne à sucre. La canne à sucre. Le gravier. Hop. On enlève. On casse là aussi. Voilà. Jusqu'au bout des pistons. Et je crois que là c'est bon. Voilà, nickel. Donc ça, quand c'est fait, on va mettre des petites torches pour pas qu'il y ait de mobs quand même. Ça serait embêtant. Voilà, nickel. Ici, quand vous avez fait ça, on va faire donc maintenant le bed switch. Alors le bed switch, il vous faut tout simplement donc un bloc de redstone, un piston collant et un piston non collant. Hop, que je vais aller me crafter de suite. Donc il faut de la cobble, je crois que j'ai de la cobble, j'ai ça, il me faut du fer. Du fer, j'en ai juste ici, donc c'est bueno. Tac. Par contre, on va juste récupérer les roches, sinon ça va infiltrer le système. Hop. On va tout prendre, voilà. Donc à mon avis, ça sera un épisode du Let's Play un peu plus court que d'habitude. Hein. Voilà, parce que on va dire que c'est pas que j'ai pas trop le temps, mais c'est que c'est l'épisode qui est tout simplement plus court. Hein, vu que c'est un système beaucoup plus simple à faire. Ok, c'est parti. Donc pour le bed switch, alors vous allez positionner donc un piston collant à ce niveau ici. Alors attendez, tac, hop, un piston collant ici. Vous mettez une torche de redstone là. Par contre, ça on va le désactiver. Merci. Vous mettez une torche ici. Vous mettez hop un bloc là. Vous cassez derrière. Tac, je vais vous mettre une petite torche pour que vous puissiez y voir. Voilà, nickel. Hop, vous mettez une torche qui se situe derrière le bloc. Tac. Vous mettez. Oh, j'ai oublié de crafter. Oh, hop. Tac, nickel. Hop, on se fait le piston. Tac. Et vous positionnez un piston en face, ça l'active. Et tout simplement, vous allez maintenant mettre un bloc de redstone. Voilà. Et donc ça fait un bed switch. Et tout simplement, quand je mets un bloc sur le côté, voilà, ça va tout simplement tirer le piston. Ça va tirer le bloc de redstone, pardon. Ça tire le bloc de redstone. Ici, on va mettre une sortie avec un petit repeater. Et pour alimenter tout simplement donc, ces pistons-là. Et quand la canne à sucre va donc pousser à 2 blocs de hauteur, elle va activer ce piston qui va le faire budder. Et c'est très très simple. C'est tout simplement ce bud, c'est. Pour un petit peu d'explication, c'est que les buds, ça se bud sur les côtés, au-dessus et au-dessous. Au-dessous, non, je pense pas au-dessous. Ça dépend les buds, voilà. Et c'est quand vous mettez un bloc sur le côté, ça va désalimenter, on va dire vite fait, enfin, ça va faire buder quoi. Donc, ça va étirer le piston, donc il va éteindre cette torche, et qui va éteindre cette poudre, alimenter la torche, donc il va repousser et va le reprendre, quoi. C'est bizarre. Même s'il y a un piston collant. C'est assez étrange quand même. Donc voilà, donc on a terminé tout simplement le système, hein, les amis. On a juste à alimenter, tac, les petits pistons. Alors par contre, ben non. Est-ce que j'ai des répéteurs? Ouais, nickel. On va faire des sorties. Donc hop. Oh là là, qu'est-ce que ça fait là, tout ce gravier? Mon Dieu, ce gravier que c'est chiant. Tac, voilà. Donc il faut que je le monte à ce niveau là. Donc on va faire. Hop, on met un petit repeater. Vous le mettez sur un tick, hein, comme ça, voilà. Hop, vous mettez de la redstone et vous alimentez jusqu'en haut. Je peux faire. Est-ce que je le fais avec des dalles ou pas? Pff, non, ça a pas trop d'intérêt, mais bon voilà. Donc ça, on a juste à. Est-ce que par contre là, ça va le faire bedder, non? Donc, on monte comme ceci. Gravier ou pas? Ah non, ça va. Hop, vous mettez à ce niveau-là et vous alimentez jusqu'au bout, les amis. Tac. Voilà. Hop. Hop. Et hop.
Voilà, vous avez tout simplement terminé donc votre usine à canne à sucre complètement automatique. Et donc ce système-là, hein, vous pouvez le reproduire plein de fois. Moi, j'aurais voulu le faire de l'autre côté, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas assez de place avec les fours automatiques. Donc là, on va tout simplement mettre un petit hopper. Les coffres qui sont ici. Il est plein celui-là. Non. Ben voilà. On va le récupérer. Tac. On va le mettre. Ouais, on va le mettre où? Hop. Tac. Hop, voilà, nickel les amis. On a tout simplement terminé le système. Et donc, si imaginons, hop, on va faire pousser un petit peu tout ça. Par contre, oui, très très important, on va faire ça tout de suite. On va prendre du verre. Donc moi, je vais prendre pas des blocs pleins, mais des vitres. Voilà, ça fait un peu plus stylé en plus. Il n'y a pas encore toutes les couleurs de... Enfin, il n'y a pas les couleurs de vitres. Ça, c'est dommage parce que c'est joli, moi, je trouve. Que la vitre normale, voilà, quoi, c'est pas super. Donc, on prend de la vitre. Je pense que 14, ça suffira. Il ne devrait pas y avoir de problème, les amis. Hop, on mange un petit steak. Le fer, on va le poser. Voilà. Et vous mettez donc du verre sur les côtés, donc là où il y a la canne à sucre, pour pas que ça aille sur le côté. Je vais vous expliquer un truc après parce que certaines personnes vont se dire qu'il y a un souci. Ouais. On va mettre ça. C'est pas trop grave. Là, ça va le... What? Pourquoi ça n'a pas activé? Normalement, c'est bien ça. C'est bizarre, ça n'a pas activé le système. Alors attendez. Et je fais une connerie. Est-ce que c'est pas derrière qu'il faut mettre les trucs sinon? Alors attendez. Voilà. J'active là. Pourquoi ça ne veut pas activer? Est-ce qu'il fallait que je le mette derrière? Non, je pense pas derrière parce que ça ne... Attendez, on va regarder. J'arrive pas à voir. Ben non. Ok, c'est... Là, c'est bizarre, là. Je comprends pas parce qu'en créatif, ça marche super bien. Et là, ça ne veut pas marcher. Alors pourquoi? Alors attendez. J'avais fait ça. Alors autant, c'est tout simplement donc ce piston qui fait... Voilà, on va enlever ça. Voilà. Ah, parce que je crois que j'ai compris. C'est tout simplement qu'à mon avis, si... Oh là non. C'est que si on met de la redstone sur le bloc BD, ben c'est normal, ça va pas marcher à mon avis. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, nickel. Ok. Donc il faut pas mettre de redstone, enfin même de bloc carrément sur le côté avec de la redstone au-dessus. Vous pouvez mettre des blocs, mais pas avec un courant, donc une alimentation. Voilà, tout simplement. Hop. Tac. Je peux plus ressortir. Bueno. Et donc voilà, ça marche nickel, les amis. On en a deux, c'est pas trop mal. Ça commence. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est des bugs graphiques. C'est tout simplement... Voilà, c'est un vrai bug. Ah voilà, il était sur le côté. C'est bizarre. C'est tout simplement que on va mettre... Voilà. Là, c'est pas trop grave encore. Tac. Donc, vous allez par exemple mettre... Donc, il y a la canne à sucre qui va pousser. Et au moment, elle va pousser ici. Voilà, donc ça va la pousser, ça va la pousser très très loin. Mais normalement, elle atterrit dans le coffre. Ou alors, elle est partie très très loin. Là, oula. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie, la... Attendez, il y en avait bien deux. What? Ok, elle est là.
Ok, bon, je sais pas trop, c'est vraiment des bugs graphiques depuis la TU 25 là. Oui, parce qu'il y a une mise à jour de correction de bugs. Et oui, là, ça bug pas mal. Hein. Ça bug pas mal du tout. Hop, donc là, on va casser. Oh putain, bon, c'est pas grave. Et voilà, au moins. Ça va. J'ai peur que ça aille au niveau du système de. Bueno. Hop, on va mettre même des petits trucs à ce niveau-là. Par contre. Hop, petite. On va mettre des petites lampes de redstone, hein, vous savez quoi. Ça fera de la lumière. On récupère les petits leviers. Est-ce que je pouvais les. Est-ce qu'on peut les alimenter comme ça? Voilà. Nickel. Hop, et le dernier petit levier. Voilà, nickel les amis. Maintenant, on met des blocs sur le côté. Tac. Et vous allez mettre donc des blocs également ici. Tout le long, quoi. Vous faites un petit mur. Et au-dessus, très très important pour faire le système. J'ai plus de. Alors, on va pas en mettre. On va pas en mettre. J'en mettrai après. Je vais juste vous montrer. Tac, on fera une lignée de. Voilà, hop, moi je vais mettre carrément des blocs pleins, enfin des de la brique. Voilà, nickel. Et vous allez mettre ici donc le vitre, la vitre, pardon. Vous la mettez tout le long. Voilà. Ok, voilà. Tout simplement, quand la canne à sucre elle va être tirée, et eh ben elle va tomber. Elle va se frotter un petit peu à la vitre et elle va tomber au niveau de l'eau. Et comme ça, moi, il n'y aura pas de souci que ça parte à perpète là-bas. Quand vous avez fait ça, ah ben oui, la canne à sucre elle est partie vu qu'il n'y a plus d'eau. Hop, j'ai un petit seau d'eau, c'est bueno. Hop, on met le petit seau. On met la canne à sucre. Tac. Ouais, par contre là-bas aussi, sinon ça marche pas. Voilà. Et voilà les amis, on a terminé le système. On va juste faire un petit essai, tranquillou. Hop. Tac, est-ce qu'il y a des torches? Ouais, je terminerai après. C'est un petit peu le foutoir là. Tac, tac. Et donc, si je mets une petite canne à sucre qui pousse, regardez. Voilà, tout simplement. Donc, ça les pousse à ce niveau-là. Ça, c'est bueno. Et elle va arriver dans le petit coffre, tranquillou. C'est un peu lent à arriver. Et voilà, elle est arrivée. Voilà les amis, on a tout simplement fait une petite usine à canne à sucre très 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 automatique et complètement très très simple. Bon mais voilà, c'était un épisode hein, très très court les amis. Et oula. Et puis voilà, donc nous on entamera un nouveau projet. Ben, tout simplement une usine à citrouille, non, à pastèque. Donc qui est située juste en face, donc ici. On le fera automatique, vous verrez que c'est très très simple aussi. J'ai déjà commencé donc le système de mon côté. Et puis voilà les amis. Hein. Et puis voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, le système il peut être répété plusieurs fois et même en face, mais sauf que moi j'avais plus de place. Donc voilà, donc moi je vous dis rendez-vous à très vite, je ne sais pas trop quand en fait, je pense vendredi, voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc moi je vous dis rendez-vous à la fois prochaine. Pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Voilà, bisous à tous et ciao tout le monde.